Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le grand journal de la télévision du Burkina. Ce dimanche, le grand format porte sur la méningite qui reste la première cause de morbidité et de mortalité parmi les maladies à potentiel épidémique. Malgré les mesures préventives, la maladie sévit à cette période de l'année. En plus des précautions en amont, il y a les plans de riposte élaborés par le Burkina qui fait du reste partie de la ceinture africaine de la méningite. Comment se mène la lutte sur le plan national ? Pourquoi la récurrence de la maladie? Quels en sont les symptômes? Autant de questions qui seront abordées avec l'invité de ce journal, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé. D'autres questions ont été levées à Houndé, dans le Tuy. Le chef du département des mines a en tournée à échanger avec les populations touchées par les travaux du site minier de la localité. Le nouveau code minier ou encore les retombées réelles de la mine, les populations ont ainsi exposé leurs préoccupations à Alpha Oumar Dissa. Les travaux en cours à la mine d'or de Houndé sont estimés à 62% du taux de réalisation. On dit qu'elle parle d'elle-même, la nature. Salfo Dermé a choisi de la peindre pour mieux la faire comprendre. Notre monde, c'est ainsi que le sculpteur a choisi de baptiser l'exposition de cette toute dernière création des œuvres pour penser l'environnement et alerter sur les dégâts commis à son encontre donc par l'homme. Chaque année, à cette période de l'année, le Burkina essuie des cas de méningite pouvant évoluer au stade épidémiologique et des plans sont élaborés pour barrer la route à la maladie. Cependant, cette dernière sévit malheureusement. Mais au fait, qu'est-ce donc la méningite? Comment se manifeste-t-elle? Comment l'éviter? Des questions que Yolande Lompo a posées à des experts et voici le reportage qu'elle nous propose en complicité avec Ibrahima Sombier. En ce moment au Burkina Faso souffle un vent chaud et sec chargé de poussière. Une période propice à certaines maladies comme la méningite, qui est une grave infection des fines membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière. Les méningites sont de plusieurs types. Elles peuvent être infectieuses, elles peuvent être virales, elles peuvent être bactériennes ou elles peuvent être mycosiques. Un diagnostic et un traitement rapide sont essentiels afin de réduire les risques de décès et de contagion. Cliniquement, ça se traduit par ce qu'on appelle le syndrome méningé, qui est en fait un ensemble de signes qui associe des céphalées, des vomissements, des photophobies, c'est-à-dire la crainte de la lumière qui irrite à ce niveau. À ces symptômes-là s'associe ce qu'on appelle également les signes d'irritation méningée, c'est-à-dire ça peut se manifester sous forme de raideur, de nuque. Et il y a des signes que nous appelons en paix, par exemple les signes de Koenig, les signes de Bruzenki, qui traduisent en fait des manifestations des raideurs. Chez l'enfant, au lieu d'avoir une raideur, on a ces manifestations sous forme de nuque molle. En raison de leur état, les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables et les enfants peuvent être immunisés à l'aide d'un vaccin. L'automéditation est à proscrire, car de la précocité de la prise en charge dépendront les chances de guérison du patient. Pour l'heure, seule la forme bactérienne est prise en charge gratuitement. Elle est la plus grave de toutes et peut évoluer rapidement et entraîner des complications telles les troubles de l'apprentissage et la déficience mentale. En général, nous avons ce que nous appelons des kits de préposition, des médicaments en tout cas qui nous sont dotés et que nous prépositionnons au niveau des formations sanitaires. Si la prise en charge est retardée, bon, il peut y avoir des séquelles qui peuvent être des séquelles de type neurologique. On peut avoir, par exemple, des formes d'épilepsie, des formes de sueur également. Parfois, même, il peut y avoir des pertes de vue. En attendant la fin de l'harmattan, les spécialistes recommandent aux populations d'humidifier constamment les fosses nasales avec du beurre de karité pour retenir les particules poussiéreuses ou d'utiliser tout autre moyen pour se protéger et fréquenter les structures de santé devant tout symptôme. Il y a des formes qui se transmettent par voie aérienne, aérosol, telles avec la poussière, avec les gouttelettes et autres. Et nous conseillons seulement aux accompagnants de prendre des mesures en aérant la maison. Cette année, rien qu'à la semaine 5, l'on compte déjà 298 cas, dont 16 décès selon les statistiques du ministère de la Santé. Le Burkina n'est pas le seul par cette maladie.
maladie dite climato-sensible, avec 25 autres pays de l'Afrique subsaharienne, ils forment la ceinture africaine de la maladie. La méningite est la chose la mieux partagée au sein de cette ceinture. Fort heureusement, la lutte commune présente des résultats encourageants. Nous en savons plus dans ce reportage signé Jean-Eudbaya et Sanoua Christine Koulibaly. Cette bande verte allant d'est en ouest, du Sénégal à l'Éthiopie, constitue la ceinture africaine de la méningite. Une ceinture qui comprend 26 pays de l'Afrique subsaharienne avec une population à risque de plus de 400 millions d'habitants. C'est aussi cette bande-là qui permet la diffusion de la méningite, particulièrement à méningocoque, qui était et qui est toujours malheureusement pour certains pays source de grandes épidémies. Vous vous rappellerez certainement la grosse épidémie de méningite de 1996. 2007 et 2009 sont deux années au cours desquelles la méningite a fait parler d'elle, respectivement au Burkina Faso et au Niger. Une maladie fortement influencée par le climat, faisant d'elle une maladie climato-sensible. Ce qui explique la récurrence de la maladie, c'est d'abord les facteurs climatiques et surtout les facteurs climatiques. C'est dans cette bande-là, nous avons l'harmattan qui est assez régulier. L'harmattan donc qui permet le transport de microbes avec les vents qui passent et qui trouvent ces microbes, qui trouvent donc des muqueuses nasales qui sont fragilisées. Et ces muqueuses nasales fragilisées chez certaines personnes permettent le passage donc du microbe à l'intérieur des voies respiratoires, mais aussi à l'intérieur du sang pour pouvoir créer et causer la méningite. Si les 26 pays ont en commun des conditions climatiques favorables au développement de la méningite, la lutte, elle, se mène à l'échelle de chaque pays. À l'échelle des 26 pays, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement une lutte coordonnée. Mais pour ce qui est de notre pays plus particulièrement, on a, depuis 2010, mener une campagne de vaccination contre la méningite qu'on avait appelée MenAfricVac. Donc, c'est un vaccin conjugué qui permet de protéger la population pendant 10 ans. Alors, on fait en 2010. En 2016, on a refait une autre campagne de vaccination. Et en mars 2017, donc dans quelques jours, ce vaccin va être introduit dans le programme élargi de vaccination de routine. À ces campagnes de vaccination s'ajoutent la surveillance épidémiologique et la prise en charge des patients. Des stratégies également en cours dans certains pays de la ceinture africaine de la méningite. Docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et nous l'avons vu dans ces reportages. Des cas de méningite ont été enregistrés déjà à cette cinquième semaine de l'année. Est-ce que cela augure de l'épidémie de la méningite? Merci de nous recevoir ce soir pour nous donner l'occasion de vous parler de cette maladie qui est très importante, notamment la méningite. C'est vrai, à la semaine 5, nous avons déjà enregistré 298 cas de méningite, dont malheureusement 16 décès, avec donc un taux de létalité qui tourne autour de 5,4%. Alors, je dois dire qu'en matière de préparation et de riposte face à cette pathologie, au niveau du ministère de la Santé, nous avons entrepris ce qu'on a appelé une analyse du risque pour voir effectivement quel est le risque de survenue d'une épidémie de méningite dans notre pays en 2017. Nous avons pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment les facteurs climatiques. Vous en avez parlé dans votre reportage, le directeur général de la Santé en a parlé. Nous avons l'harmattan qui souffle comme à l'accoutumée. Nous avons pris également en compte les aspects liés au déplacement des populations. Nous avons pris en compte aussi des aspects liés à l'environnement même dans la sous-région. Il vous souviendra qu'en 2016, nous avons eu 4 pays limitrophes qui ont connu des épidémies de méningite. Je voudrais, soit dit en passant, dire que le Burkina Faso a été sollicité par l'intermédiaire de la Banque mondiale pour apporter une expertise à un de ces pays pour lutter contre la maladie. Donc, en mettant ensemble tous ces facteurs, on se rend bien compte que le risque de survenue d'une épidémie de méningite en 2017 n'est pas écarté. Fort heureusement. Mais est-ce qu'il est fort, ce risque-là? Alors,
Je dirais qu'il est fort, il est faible. Le plus important, c'est que nous puissions nous préparer. D'accord. Pour ne pas être surpris. Et justement, dans cette préparation, la complexité même de la gestion de la méningite relève peut-être des différentes formes qu'elle présente. Quelle est la forme de méningite qui sévit le plus ici au Burkina? Alors, le médecin-chef du district sanitaire de Signoret l'a si bien rappelé, on a plusieurs types de méningites. On a des méningites bactériennes, on a des méningites virales, on a des méningites mycosiques. Là, véritablement, les méningites qui sont épidémiogènes, c'est les méningites bactériennes. Et nous avons plusieurs souches. Nous avons des souches qui sont dues au Neisseria meningitidis A, au sérotype Y, au sérotype W. Assez technique. Oui. Donc, on a plusieurs sérotypes qui sévissent et qui sont épidémiogènes. Je dois dire qu'il y a un certain nombre de gènes pour lesquels nous avons des vaccins, notamment le Neisseria meningitidis A. Le directeur général de la santé en parlait tantôt. Nous avons fait une campagne de rattrapage en novembre 2016. Nous allons l'introduire dans le PEV de routine. Voilà. Pour la méningite à hémophilus influenzae. En tant que population, nous avons entendu parler de W135, le vaccin. Est-ce que c'est lequel, en fait, avec les noms que vous citez, par exemple? Alors, je dois dire qu'actuellement, nous disposons dans nos stocks de vaccins tétravalents. Vaccins tétravalents qui agissent donc sur la méningite A, la méningite Y, la méningite W135. Donc, véritablement, nous avons ces doses-là. Nous avons constitué un stock de sécurité de 100 000 doses qui nous permet, ici et maintenant, d'apporter la riposte en attendant, si l'épidémie n'est pas contenue, d'en commander sur le marché mondial. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, l'intégration d'un vaccin baptisé Menafrivac. Donc, il y a eu une campagne de masse qui a été faite et puis qui a été réussie. Et ce vaccin sera intégré dans le programme de vaccination infantile. Qu'attendez-vous précisément de cette intégration-là? Alors, vous savez que faire une campagne de masse, c'est quelque chose de ponctuel. Ça vous permet véritablement d'avoir le maximum d'enfants. Mais pour pérenniser l'action, il est important d'intégrer ce vaccin dans un programme qui est très important, qui est le programme élargi de vaccination. C'est un programme qui permet aux enfants de 0 à 11 mois de bénéficier de vaccins, ce qui fait que dès qu'ils fêtent leur premier anniversaire, ils sont prémunis contre un certain nombre de pathologies. Donc c'est vraiment le rationnel de la routinisation, de la pérennité qui fait que nous sommes en train d'introduire ce vaccin. L'introduction se fera le 6 mars prochain. Et est-ce que vous pouvez rassurer les populations que ce vaccin ne va pas manquer à un certain moment donné de cette routine-là? Alors, je voudrais vous dire une chose. Le Burkina Faso est connu pour son sérieux en matière d'approvisionnement régulier en vaccins. Et je voudrais vous dire que le Burkina Faso est un pays qui achète lui-même sur fonds propres ses vaccins traditionnels et qui cofinance avec des partenaires techniques et financiers l'achat de nouveaux vaccins. Donc je voudrais vous rassurer que de ce côté, il n'y a pas de problème. Nous avons déjà transférer 1,2 milliard de francs CFA sur un compte au niveau de la BCAO qui va alimenter un compte au niveau de la Supply Division de l'UNICEF à Copenhague qui nous accompagne dans l'achat de ces vaccins. Alors, docteur Kargougou, en septembre dernier, une rencontre s'est tenue à Kourougou pour préparer un plan de riposte pour une éventuelle épidémie cette année. Très rapidement, dites-nous comment va se dérouler ce plan-là, si d'aventure il y a une épidémie. Alors, je voudrais dire que nous avons effectivement élaboré ce plan qui a été adopté en Conseil des ministres le 1er février. C'est un plan qui se chiffre à 2,981,998,700 francs CFA. C'est un plan qui va être mis en œuvre selon les différentes phases de la méningite. Une phase selon la phase pré-épidémique, la phase épidémique et la phase post-épidémique. Au niveau de ce plan, nous avons un certain nombre de stratégies, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique. Si je suis à même de vous dire aujourd'hui sur votre plateau que nous avons enregistré à la semaine 5 298 cas de méningite, dont 16 décès, c'est parce que nous avons un système de surveillance épidémiologique qui est robuste. En dehors de cette stratégie, nous avons aussi le prépositionnement des médicaments pour la prise en charge gratuite des cas.
le médecin-chef l'a dit tout à l'heure. Nous avons également comme stratégie la communication. Il est extrêmement important que nous puissions communiquer, que nous puissions sensibiliser en fait les patients, les populations, pour que dès qu'il y a un cas suspect, dès qu'il y a des signes qui orientent vers la méningite, elles puissent consulter dans nos formations sanitaires. Docteur Kagugu, beaucoup m'en voudront de ne pas évoquer ce sujet qui suscite même de l'indignation dans les réseaux sociaux. Des images de matériel sanitaire circulent et qui sont visiblement stockées depuis longtemps, qui circulent donc sur le net. Les autorités sanitaires ont même été accusées d'être méchantes, puisque certains centres souffrent soit de vétusté ou même de manque criard de ce même matériel-là. Quelle est votre réaction en tant que secrétaire général du ministère de la Santé? Alors, je voudrais dire que, effectivement, nous avons suivi ça également sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Vous savez que le programme socio-économique d'urgence, la transition, le PSUT, en son volet santé, qui a été lancé et qui, dans le domaine de la santé, avait prévu de construire 40 centres de santé de promotion sociale et de transformer deux CSPS. Chef lieu de commune rurale en centres médicaux. Alors, à l'heure où je vous parle, nous avons 26 formations sanitaires, 26 CSPS qui ont été construits et qui ont enlevé effectivement leur matériel médico-technique. En dehors de ces formations sanitaires qui sont déjà construites, je dois vous dire aussi qu'il y a des formations sanitaires qui ne sont pas encore achevées. Il y en a qui ne sont pas achevées. Il y en a aussi qui sont achevées, mais qui sont en train d'être réceptionnées. Donc, véritablement, on ne peut pas déployer ce matériel au niveau d'une formation sanitaire qui n'est pas encore achevée ou qui n'est pas encore réceptionnée. Si fait que le matériel qui a fait l'objet de polémiques sur... les réseaux sociaux sont destinés à ces formations sanitaires. Donc, transférer ce matériel à des formations sanitaires qui n'en sont pas les destinataires et qui voudraient tout simplement à du détournement. Je voudrais tout simplement rappeler que le ministère de la Santé est tout à fait d'accord que nous sommes dans une jeune démocratie et qu'il est tout à fait normal que des actions de veille citoyenne puissent avoir lieu. Mais je voudrais formuler le vœu, le ministère de la Santé formule le vœu, que véritablement les auteurs de ces publications nous approchent pour en savoir davantage. Nous sommes disponibles du directeur régional de la Santé, de l'infirmier chef de poste, en passant par le directeur régional de la Santé, jusqu'au ministre de la Santé, nous sommes ouverts. Le ministre de la Santé lui-même reçoit souvent sans rendez-vous, lui qui est toujours au bureau avant 6h30. Donc je voudrais vraiment insister pour dire que nous sommes ouverts et que s'il y a un besoin d'information, aller à la source. Tout à fait. Merci, docteur Robert Lucien Jean-Claude Kagugu. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et vous étiez avec nous pour parler de la lutte que votre département mène contre la méningite et contre une éventuelle épidémie de la maladie. La suite du journal et nous restons dans le domaine de la santé. À Bounou, les regards sont tous braqués sur une nouvelle infrastructure sanitaire, la seule du reste dans cette localité relevant de la commune de Bagassi dans la province de Balé. Plus de 300 millions de francs CFA ont été mobilisés par les ressortissants de Bounou, aidés de partenaires étrangers. Résultat, un dispensaire, une maternité et bien d'autres réalisations ont été inaugurées. Martin Zerbo, Amadou Louguet, reportage. Ce n'est pas un festival de masques, encore moins une compétition de danse. Si les populations de Bounou ne peuvent plus contenir leur joie, c'est parce qu'elles viennent d'être dotées d'un centre de santé. Et à partir d'aujourd'hui, elles ne vont plus parcourir 10 km pour aller se faire soigner. Je suis enceinte. Avec ce centre, nous les femmes, nous espérons que tout passera désormais bien pour nous. C'est sa femme de consultation ici. L'infrastructure porte le nom d'un fils du village, Mamadou Nyissa Nyoumou, un ingénieur de formation décédé en 1987. En plus de l'engagement de Mamadou, il faut dire aussi que Mamadou est né en Bourse. Elle avait accouché toute. Nous espérons que c'est une situation qui ne doit pas se répéter. Donc en mettant le CSPS au nom de Mamadou, on espère qu'aucune autre femme ne subisse ce que notre maman a subi. La réalisation de ce centre médical est rendue possible grâce aux efforts conjugués des fils et filles de la localité.
sans oublier le soutien de l'État et de ses partenaires allemands et belges. Tous ces appuis que nous bénéficions de nos amis sont aussi l'œuvre de leurs citoyens. C'est leurs contribuables qui font en sorte que des gens ils lèvent des fonds pour venir nous appuyer. Même si nous n'avons pas de fonds à lever, l'entretien quand même, nous devons prendre les dispositions pour qu'il en soit ainsi. Composé essentiellement d'un dispensaire et d'une maternité, l'avènement de cette infrastructure sanitaire est un tremplin pour le développement du village. On en vient à cet autre titre de l'actualité, la visite du ministre en charge des mines à la mine d'or de Houndé. 9 mois après le début des travaux de construction de la dite mine, Alpha Omar Dissa est sur le terrain. Le constat fait état d'un taux d'avancement des travaux satisfaisant. Précision, Lamine Karantao, Karim Sissé. Petit à petit, la mine d'or de Houndé sort de terre. C'est le constat qui se dégage lors de cette visite du ministre de l'Énergie et des Mines. Du broyeur à la ligne électrique spéciale, en passant par le concasseur et les bureaux du personnel, bref, Alpha Omar Dissa et sa délégation ont pu constater de visu les différents compartiments du chantier. Un chantier qui est aujourd'hui à un taux d'exécution de 62%. Les travaux avancent très bien. Nous pouvons dire que, en tout cas, nous avons atteint une performance qui va au-delà de nos prévisions. Nous sommes à 62% sur l'ensemble des infrastructures pour une prévision d'environ 59 à 60%. Le premier responsable du ministère en charge des mines se dit satisfait du travail réalisé sur le terrain. Il a par ailleurs encouragé les responsables de cette mine à maintenir le cap. Comme vous l'avez vu, l'état d'avancement est autour de 62%, ce qui est encourageant au vu donc du délai qui a été donné à la mine. À noter que les travaux de construction de cette mine ont été lancés le 30 mai 2016 par le président du FASO. Et la fin des travaux est prévue pour fin 2017 selon le cahier des charges. À l'issue de cette visite de terrain, le ministre des Mines a nourri des échanges avec les populations impactées par la mine d'or de Houndé. Au cœur du débat, le nouveau code minier qui devrait installer un climat favorable entre les responsables de la mine et les populations. La synthèse de la rencontre toujours avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Le démarrage des travaux de construction de la mine d'or de Houndé avait suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Nombreux sont celles qui espéraient la fin de leur calvaire. Mais aujourd'hui, c'est la désillusion. À Houndé, il n'y a que la Sofitex qui donne de l'emploi. Et après la Sofitex, la mine est le plus grand pourvoyeur d'emploi. Maintenant, aujourd'hui, la mine est devant même la Sofitex, c'est le plus grand pourvoyeur d'emploi. Et ça va de soi que les ambitions des uns et des autres partent vers cette mine-là. Et pourtant, selon les premiers responsables de cette mine, ils sont nombreux les jeunes de cette localité qui travaillent sur ce site. Nous avons 2350 employés au total, avec 1173 employés qui ont un contact direct avec AGO. Et parmi ces 1173, il y a 51% de personnes venant de Houndé. Et nous avons 1087 employés sous-traitants, et avec 80% qui viennent de Houndé. Et tous les contrats, tant au niveau de la soudure que de la maçonnerie, sont directement donnés, offerts aux associations de Houndé. À cette rencontre avec les populations, le ministre Alpha Omar Dissa explique ce qui est en train d'être fait dans le secteur minier au Burkina Faso en faveur des populations. Aujourd'hui, je suis venu pour faire passer ces messages, pour dire aux populations de Houndé qu'il faut aussi qu'on sache raison garder, qu'on peut faire beaucoup de choses dans la paix, dans la cohésion, mais qu'il ne faudrait pas aussi qu'on tire trop sur les ficelles de sorte à tuer la poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, la mine est là, vous-même vous avez constaté, beaucoup de jeunes de la localité travaillent dans la mine. Nous devons travailler donc avec le nouveau référentiel minier qui porte beaucoup d'intérêt pour les populations locales. Il était prévu de mettre très bientôt un cadre de section régionale. Un cadre qui prendra en compte les différentes parties en vue de trouver des solutions à cette crise à Houndé. Et nous restons dans les hauts bassins à la suite, cette fois, de l'ambassadeur des USA au Burkina. Le diplomate poursuit sa tournée et nous nous intéressons aujourd'hui aux échanges qu'il a nourris avec les autorités administratives et religieuses de la région. Pour en savoir davantage, voici le compte-rendu de Hassan Gourabou et Moussa Sanon.
Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique à la rencontre des autorités administratives et religieuses des Hauts-Bassins. Une visite de courtoisie de 48 heures au cours de laquelle le diplomate dit avoir beaucoup appris. C'est un grand plaisir de visiter la belle ville de Sia pendant mon premier séjour ici. Pendant ce séjour, j'ai eu le grand plaisir d'être accueilli par les Bobolais qui ont ouvert leur esprit pour m'aider à comprendre cette belle vie. Je suis à l'écoute pour m'informer dans le travail, la mission que j'ai devant moi en partenariat avec des amis burkinabés. Gouverneur de Haut-Bassin, au siège de la communauté musulmane de l'Ouest, à l'archevêché de Bobo-Dioulasso et partout où il est passé, l'ambassadeur américain a eu des échanges qui ont tourné autour des questions de développement et de sécurité notamment. Nous avons échangé sur la vie de la région, sur nos préoccupations et sur ce que l'ambassade des États-Unis peut faire pour la région en matière d'accompagnement. Ce que je lui ai dit, j'ai dit son successeur a passé, on a eu quand même un petit changement. Bon, je crois qu'on compte beaucoup sur lui, et sur lui aussi, qu'après son retour aussi, avant qu'il parte, il va quand même augmenter encore de ces changements-là. Personnellement, c'était une découverte de cette institution qui est au Burkina et qui vient en aide à notre pays et à notre peuple. Un pays, un peuple qui espère beaucoup de cette institution au Burkina, notamment de l'homme qui l'incarne, le nouvel ambassadeur des États-Unis et dont c'est la première visite à Bobo-Dioulasso. Le débat fait mouche en ce moment et les organisations de société civile ne sont pas en reste. Le CAR, Citoyen Africain pour la Renaissance, a organisé une conférence publique sur le franc CFA. Faut-il ou non en sortir? La question est posée, mais les conférenciers sont surtout revenus sur les avantages et les inconvénients de cette monnaie. Nongba Kouda, Frédéric Étienne Bassenga. Deux conférenciers pour disséquer les tenants et les aboutissants de l'abandon du franc CFA. D'entrée de jeu, Abel Thiam-Toré situe les avantages que sont la stabilité et l'assurance des investisseurs avant de revenir sur les inconvénients. Pour lui, avec le CFA, c'est l'absence de souveraineté monétaire, un coût élevé de la parité fixe et la contradiction des 50% de réserves déposées au Trésor français. L'enseignant-chercheur revient même sur la question de la stabilité qui, pour lui, peut être flatteur. C'est vrai que dans la zone uruguayenne, nous avons un taux d'inflation inférieur à 3%. Mais cette faiblesse de l'inflation peut être trompeuse parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation avec des ouvertures de nos économies. Et vous savez que si vous prenez par exemple la ville de Ouagadougou, vous voyez, c'est moins cher souvent de consommer des produits que des produits locaux. Pour l'officier Diarra, le sous-développement des pays de la zone franc n'est pas exclusivement lié à la monnaie. Pour lui, un éventuel décrochage du CFA de l'euro devrait rimer avec un changement de comportement. Ce qu'il faut éviter, c'est de décrocher cette monnaie de la zone euro, c'est-à-dire du trésor français, qui assure donc la stabilité, vous la décrochez et puis vous continuez à avoir les mêmes comportements qu'on a là. Les importations ostentatoires, ça ne marchera pas. Ce serait le désordre. Et quand il y a du désordre économique, c'est l'anarchie. Parce que chaque fois, la crise est financière, économique, sociale, puis ça vient le caire. Comme ça, c'est une suite logique. Pour Evie Ouattara, président du CAS, structure de cette conférence, il est temps pour l'Afrique de prendre ses responsabilités. La dynamique dans laquelle nous sommes inscrits pour que toutes les dictatures en Afrique soient combattues et que l'indépendance véritable de l'Afrique soit une réalité. De la même manière, on ne peut pas aujourd'hui vouloir cette indépendance et peut accepter toujours que notre monnaie soit logée dans le trésor français. Représentant d'urgence panafricaniste au Burkina Faso, le CAR appelle à une synergie entre les différents pays africains pour qu'une monnaie unique soit créée. Nous allons à présent au pied d'un baobab sacré. Les habitants de Yaogin sont du reste convaincus de sa sacralité. Ils sont nombreux à s'y rendre chaque année pour implorer la clémence de Nava Zungrana, dont la tombe est devenue un mausolée en 2004. Le rite annuel d'hommage a été respecté ce 11 février. Qui est donc Nava Zungrana? Réponse. Et plus encore, dans ce dossier signé Pawan Drogo, Jean Zongo et Draman Dadia.
Le moment est solennel. Il se déroule une seule fois dans l'année. Le rituel sur la tombe de Naba Zungrana. Naba Zungrana est le chef de Moshi. Sa tombe est à Komtiyoga. Chaque année, nos parents sont là pour fêter. C'est ce que nous avons appris. Une connaissance de ses origines qui se transmet de génération en génération. Les mets chargés de poulets et de moutons, ceux qui se réclament de la lignée de Naba Zungrana, principalement les habitants du village de Yaogan et environnant, ont fait le déplacement sur le site. Mais il y a aussi des invités. Et c'est sur instruction du chef de terre, le Teng Soba, que commence le cérémonial. Soyez rassurés, vous êtes tous sous la protection de notre ancêtre, lance le Teng Soba à la foule. Après les salamalek d'usage, c'est ici, sur la tombe de Naba Zungrana, que poulets et moutons sont immolés, juste là, au pied de ce baobab millénaire. Le site est désormais office de mausolée, érigé en 2004. Effectivement, ce mausolée que le ministère de la Culture a réalisé il y a déjà une dizaine d'années veut valoriser les hautes personnalités qui ont créé ce Burkina Faso qui nous est cher. Et pérenniser justement la sépulture d'une haute personnalité, à mon sens, a une valeur à la fois culturelle et historique. Ce rituel annuel est pour le Teng Soba une aubaine pour sensibiliser hommes et femmes sur le savoir-vivre ensemble, la cohésion sociale, des vertus auxquelles Naba Zungrana serait très attaché. Naba Zungrana est le fils de Naba Ouedraogo et c'est de Teng Kodogo qu'il est arrivé sur ce site. De son vivant, il était d'une hospitalité légendaire, car pour lui, il n'y a pas d'étranger et c'est ce que nous travaillons à préserver. C'est donc ce qui est recherché au-delà de l'aspect festif de l'événement qui mobilise chaque fois du monde. Voici de quoi rompre avec des prérequis, des herbes fraîches en ce début de saison sèche. Le spectacle est à voir dans la commune rurale de Malba, située dans la province de Pony, région du Sud-Ouest. Là, plus de 1000 hectares visiblement fertiles attendent bras valides. On y retrouve même des vestiges de l'aménagement colonial. C'est ce que nous affirment Karim Ilboudo et Kadou Romenki. De l'herbe fraîche en ce mois de février. Une couleur du sol qui s'apparente à celle de la fumure organique. Ce sont entre autres des éléments caractéristiques de la fertilité d'un sol. Une richesse disponible ici dans ce bas-fond agricole de Malba. Un bas-fond qui s'étale à perte de vue. Plus de 1000 hectares hein, qui sont là. Et dans ces 1000 hectares, dites-vous qu'il n'y a qu'une quarantaine d'hectares aménagés. Oui. Donc, c'est insignifiant par rapport à ce qu'on a. La sous-exploitation du bas-fond de Malba s'explique par la précarité des moyens dont disposent les paysans. Vous voyez, par exemple, la daba que j'ai avec moi. Est-ce qu'à nos jours, on peut toujours travailler à cette daba et puis se nourrir? C'est une population de 17 000 habitants. Si on fait 40 hectares, hein, c'est pas intéressant. Et qu'on n'arrive même pas à exploiter les choses, c'est lié aux moyens. Selon le maire de la commune rurale de Malba, le bas-fond a été autrefois aménagé par le colon. En témoignent ces vestiges du système de canalisation des eaux datant de cette époque. Mais de nos jours, le manque d'aménagement et la non-maîtrise des eaux de pluie limitent l'exploitation du bas-fond. Nous ne sommes pas loin du Ghana, nous sommes à 5 km de la frontière. Et toutes les eaux se drainent carrément au niveau du fleuve Moun. Vous voyez ? Et ça va se rejeter au Ghana. Donc, à la saison pluvieuse, si vous passez, vous allez voir un peu partout ici, là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Malheureusement, il n'y a pas de retenue. Tout le territoire, il n'y a aucun barrage. Pourquoi ne pas faire installer, voir si on peut mettre un barrage à quelque part ou deux barrages à quelque part, un barrage du moins à quelque part, et introduire la culture irriguée à quelque part. Et le Nil, est le don de Dieu. Mais à Malba, les bas-fonds sont un don de Dieu. Un don non mis en valeur, devenu aujourd'hui un champ de grandes herbes.
Regardez ici, depuis que je suis enfant, ce coin est resté comme ça, inexploité. Personne ne cultive. Alors si vous venez tout de suite commencer à cultiver, vous allez voir que ça appartient à quelqu'un, à une famille. Mais ils n'ont pas les moyens. Ça reste comme ça. Le maire entend mener la sensibilisation pour que la notion d'appartenance du sol quitte les esprits des uns et des autres. Toute chose qui va amener la population autochtone à accueillir d'autres bras valides pour l'exploitation du bas-fond agricole de Malba. Je vous le disais en titre, le sculpteur Salfo Dermé s'est inspiré de Dame Nature pour sa dernière exposition Notre Monde. C'est ainsi qu'il a baptisé le vernissage qui a eu lieu à Kudugu. L'idée, c'est de dépeindre l'action néfaste de l'homme sur l'environnement, de l'art tout simplement, que nous présentent Mathias Rabot et Aimé Solange Guigma. C'est un ensemble d'œuvres d'art évoquant des animaux, des couples, des femmes et certains aspects de la vie qui est soumis à la curiosité du public kudougoulais. Cette exposition dénommée Notre Monde fait un point d'honneur à l'environnement. L'idée, c'est d'interpeller l'opinion publique sur la nécessité de sauvegarder la nature. Bien d'autres thématiques sont abordées. Il y a irresponsabilité de l'homme, il y a flux migratoire, l'ouverture d'esprit, séparation de frontières. Et puis il y a confession. Je cherche pour qu'il y ait prise de conscience, que les hommes puissent apprendre à avoir prise de conscience, qu'on change notre modalité de vivre. Ces œuvres rendent également hommage à la famille, au travail des femmes et à la bonne éducation. Elles invitent surtout à la repentance. Ce que je découvre aujourd'hui est plus que fantastique pour Issouka, pour la ville de Kudugu, pour le pays, le Burkina Faso, et pour le monde entier, puisque nous devons voyager. Et nous devons voyager avec nos richesses qui sont matérialisées à travers ces œuvres qui portent une thématique très forte, qui est l'environnement. Aujourd'hui, nous devons tous nous battre pour préserver l'environnement. Et on va les accompagner pour que cette exposition fasse la fierté de tout le Burkina ailleurs. C'est dans la cour royale Masma d'Issouka à Kudugu que se déroule cette exposition artistique, et ce jusqu'au 19 février. Ensuite, cap sera mis sur Ouagadougou, Bobo Dioulasso et à l'extérieur du pays. Et puis, un autre artiste vivra désormais à travers ses œuvres. Nous venons de l'apprendre, Augustin Sondé Koulibaly n'est plus. Il est l'un des premiers écrivains de la Haute-Volta post-indépendante et auteur de plusieurs œuvres, dont le plus emblématique, publié en 1974, Les Dieux délinquants. Né en 1933, atteint près de Orodara dans le Kénédougou, Augustin Sondé Koulibaly à tour et parfois en même temps porté les casquettes de dessinateur, topographe, agent financier et journaliste. Il a été l'un des fondateurs du Cercle des activités littéraires et artistiques de Haute-Volta, créé pour perpétuer l'esprit de la négritude. L'homme a tiré sa révérence ce dimanche à l'âge de 84 ans. Et puis, comme tous les dimanches, nous faisons le point de l'actualité sportive. Après la CAN, le Burkina fait face à un autre challenge, la Coupe des Confédérations. Cet après-midi, la AS Sonabel a été tenue en échec par le SC Gagnoa au stade du Katrou. Burkinabés et Ivoiriens se sont séparés sur un match nul et un score vierge. Le résumé avec Mamadi Wena. L'AS Sonabel, opposé cet après-midi au Sporting Club de Gagnoa, n'a pas réussi à s'aligner sur la belle performance du RCK qui s'est imposé hier 3-0 devant les Diables Noirs du Congo. Face à une équipe du Sporting Club de Gagnoa abonnée au match nul cette saison, 7 matchs nuls et 2 défaites en 9 matchs de Ligue 1 en Côte d'Ivoire, l'AS Sonabel a eu du mal. Du mal surtout à percer la muraille dressée par l'équipe de la Cité du Fromager en première période, où l'unique véritable occasion de scorer de l'AS Sonabel n'intervient qu'à la 40e minute. Mais sur le coup, le gardien de but du Sporting Club de Gagnoa est sur la trajectoire. En seconde période, l'AS Sonabel semble au mieux, mais doit compter avec une équipe du Sporting Club désireux de marquer le but à l'extérieur. Le match est plus animé, mais les défenses prennent le dessus sur les attaques. Et malgré une nette poussée de l'AS Sonabel dans les 10 dernières minutes du match,
Les deux équipes se séparent sur un score nul et blanc. Moi, je pense que ce n'est pas un résultat satisfaisant au plan comptable, mais en football, tout est possible. Nous savions que l'adversaire allait venir quand même pour chercher le point du match nul. C'est ce qu'ils ont fait. On s'est préparé en conséquence. Aujourd'hui, on n'a pas eu de punch devant. Je pense qu'on va travailler encore pour aborder le match retour qui va être autre que ce qu'on a vu ce soir. Nous sommes en Coupe africaine et venir jusqu'au Faso jouer et obtenir ce résultat, je crois que vraiment je suis satisfait. Nous retournons là-bas. Au niveau de l'accueil, il y aura un accueil positif, mais au niveau du jeu, je crois que ça sera possible pour nous. Il va falloir aller chercher la qualification samedi prochain à Abidjan. Ce ne sera pas du tout aisé, mais l'Est Nabel a encore des chances dans ce tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, à condition qu'elle élève le niveau. Mamadi Bouena, le RCK, lui, a eu beaucoup de chance hier face au Diable Noir du Congo-Brazza. Oui, le Rail Club du Kadoro, champion du Burkina, qui a écrasé le Diable Noir du Congo-Brazza par 3-0 et qui se met dans une bonne position pour se qualifier pour le tour prochain. Et puis, vous avez par-devers vous les résultats de la 10e journée du championnat national de football. Oui, pour cause des campagnes africaines, il y a eu beaucoup de matchs reportés. Deux matchs se sont joués seulement. Hier, on avait Majestic Ageb à Saponé, 0 partout, et RCB Usko, 1-0 pour le RCB. C'était les deux matchs qui se sont joués ce week-end. Merci, Mamadi Ouena. Merci. Et merci d'avoir suivi ce journal. À 22h30, vous retrouvez Ruth Ouattara pour la dernière session d'information. Demain, une nouvelle équipe prend le relais à 20h. Très bonne reprise à toutes et à tous.